Les présidents Patrice Talon du Bénin, Foya Singbe du Togo et Mada Bio de la Sierra Leone sont désignés pour la médiation dans la crise au Niger. Il s'agit d'une décision prise à l'issue du 64e sommet de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenu dimanche dernier. Une décision qu'apprécient les citoyens béninois. S'ils ont choisi de désigner trois médiateurs pour peser dans la balance, c'est bon parce qu'ils veulent ramener la paix. Que le peuple nigérien, que l'État actuel du Niger accueille ces médiateurs-là et ils n'ont qu'à s'asseoir et discuter ensemble. Le ministre de l'Intérieur nigérien était à Lomé pour rencontrer le président Faure Yassine. Ils ont parlé. Mais si le président Faure peut continuer à parler avec les putschistes et parler avec le président Talon aussi, ça peut donner des signes, des bons signes. Que les dirigeants, la junte du Niger, essayent de s'approprier de cette médiation, essayent de discuter convenablement avec les trois chefs d'État qui sont désignés, y compris notre chef de l'État. Ça permettra de dénouer totalement la situation et d'apaiser totalement la situation. Pour ce qui est du maintien des sanctions en attente d'un éventuel assouplissement, les avis sont mitigés. Moi, je propose à la CEDEAO de laisser les sanctions et de compter avec la médiation. Parce que les Nigériens, je dis, et les militaires qui sont là, ils ne veulent pas du tout lâcher. Et j'ai suivi en tant que colonel Toumba, qui a même dit que si le CEDEAO va foncer, là, ils vont prendre le cadavre de Bazoum. Maintenant, on dit médiation, on dit sanction encore. Non. Moi, je demande à la CEDEAO de choisir la voie de la médiation. Et c'est ça la seule qui peut régler ce problème. Pas du tout, parce que, en réalité, si je comprends bien, c'est que la CEDEAO est en train de demander d'abord quelque chose aux putschistes. Et c'est ça qu'ils doivent d'abord accomplir. C'est-à-dire, ils ont dit, il a un adage qui dit quoi? Exécution avant réclamation. Ils ont dit de libérer d'abord Bazoum. Et que c'est après la libération de Bazoum qui pourront rentrer dans les négociations. Maintenant, eux aussi, ils n'ont qu'à faire le premier pas. Ils n'ont qu'à exécuter ce que la CEDEAO est en train de dire, parce que la CEDEAO, d'abord, c'est leur père. L'organisation régionale veut que Niamey s'engage sur une courte feuille de route pour la transition vers le rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel, soit le retour à un régime civil.